Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'initiative Land Guardian. Land Guardian, c'est une campagne lancée par mon organisation, l'ONG Femmes, Pouvoir et Développement, pour mettre en lumière les acteurs qui sont engagés dans la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le lancement s'est fait à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification qui a eu lieu le 17 juin 2020. Le thème de cette année, c'était aliments, fourrures et fibres. Alors, l'objectif de cette campagne, comme je l'ai dit tantôt, c'est de promouvoir les initiatives qui promeuvent la gestion durable des terres, notamment à travers la reforestation, à travers la restauration des sols, à travers la promotion de cultures qui promeuvent une utilisation rationnelle des ressources et bien d'autres actions qui est communautaire, de communication, de sensibilisation, et cela en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Et donc, je suis très ravie de parler de cette initiative et surtout, j'attends de vous que vous participiez à ce concours. Alors, d'autres me poseront la question, qui sont les candidats qui peuvent participer à cette campagne-là? Alors, il faut savoir que si vous êtes engagé pour la cause de l'environnement, notamment pour tout ce qui est question du foncier, tout ce qui est cause communautaire, reforestation, etc. Sachez que vous pouvez participer à cette campagne-là. Alors, comment y participer? Il s'agira pour vous de faire votre mini-biographie en parlant de vos activités, les projets réalisés sur le terrain, les actions que vous avez faites dans ce sens-là, et accompagné de quelques photos et autres liens que vous voudriez, et nous envoyer aux adresses suivantes: fatiche@gmail.com, en copie à ongfedep@gmail.com, comme affiché en bas de cet écran là. Et donc, sachez que vous êtes admissible quelle que soit votre position géographique. Et surtout, il ne s'agit pas seulement d'avoir des acteurs qui sont focus 100% sur l'environnement, mais il y a aussi des médias qui sont engagés à promouvoir des actions de restauration des sols, les bonnes pratiques. Il y a aussi des scientifiques, il y a aussi plein d'autres. En fait, cette campagne est multi-acteurs. Donc, vous pouvez aujourd'hui, que vous soyez scientifique ou encore acteur de terrain ou je ne sais pas, quel que soit votre domaine d'activité, mais en lien avec tout ce qui est gestion durable des ressources. Et sachez que vous pouvez participer à cette campagne-là. Alors, pour avoir plus de détails, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ONG Femmes, Pouvoir et Développement, où se trouve un communiqué. Vous cliquez dessus et automatiquement, vous pouvez accéder à tous les détails, comment postuler, et les détails liés à la campagne. Et donc, sachez que nous sommes très ravis de partager cette initiative avec vous, parce que nous savons que dans nos communautés, il y a des organisations qui se battent tant bien que mal, malgré le manque de ressources, pour participer à la restauration des sols. Et donc, voici le communiqué en question sur la page de l'ONG avec tous les détails. Voilà, tous les détails sont là.